Good morgen, allez, Daniel, ce sera aujourd'hui le Nishmat Esther Bat Miriam, Yaakov Ben Levan avec Yosef Akab, Robert Baruch Ben Jamil Tarab, ainsi que l'Irfouat, Israël, Olivier Israël et Shimon Ben Esther, Hamchet Miriam Ben Rosena, bienvenue, très bien, bienvenue sur Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes de Daniel, nous sommes à Maseret Urovin, Perikret Mishnah Hey, Amaniach Beito Vehalach Lishbot Beir Acheret, Echad Nochri Vehad Israël, Arize Oser, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yoda Omer, En Oser. Rabbi Yossi Omer, Nochri Oser, Israël En Oser, Shenderech Israël, Lavo Beshabbat. Rabbi Shimon Omer, Afilouniach Beto Vealach Lishbot et Selbito Beotahir, En Oser, Shedvar Isia Milibo. Lorsqu'on fait un Eruv Chatzerot, alors on a déjà expliqué longuement qu'il faut que tous les habitants de la cour s'associent dans le Eruv. À savoir, si on est 5 habitants, par exemple, qui habitent chacun dans sa maison privée, et on a tous une cour commune, pour pouvoir porter des sortir les objets qui sont dans la maison pour les mettre dans la cour, il faut qu'on fasse un hérouve et qu'on s'associe tous avec un hérouve. À exclure deux choses, d'une part, s'il y en a un qui ne l'a pas fait, qui ne s'est pas associé, il bloque tout le monde. On n'a pas pris toutes les histoires, comment dans ce cas-là, est-ce qu'il annule son reshoot et tout ça. Et puis, si c'est un goy, il ne peut pas non plus faire le hérouve, donc on a un vrai problème, il faut nécessairement lui louer la maison. Ça, c'était une notion qu'on a déjà pris longuement. À présent, on va parler dans notre Mishnah du cas où il y a un habitant, qui peut être juif comme goy, qui n'est pas là pour Shabbat, il est parti en vacances. Est-ce que, lorsque le chat n'est pas là, les souris peuvent danser ou non? C'est la question. Est-ce que le fait que, par exemple, imaginez que c'est un. Il y a deux cas de figure à étudier. On verra qu'il y a une grande. Il y a quatre avis en fait dans la Mishnah. Il y a une question par rapport au juif qui est parti passer Shabbat à l'extérieur. De manière générale, le juif, quand il va passer le Shabbat à l'extérieur, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas rouler pendant Shabbat. Après, peut-être qu'on va distinguer s'il est parti dans la ville ou s'il est parti en dehors de la ville. Et le goy. Alors le goy, c'est une autre histoire. Le goy, lui, il peut tout à fait débarquer pendant Shabbat. Du coup, ça va nous faire sur ça quatre avis. À savoir, Amaniach Beto, celui qui laisse sa maison, Vehalach, et il est parti, Lishbot Beir Acheret, et il est parti passer le Shabbat dans une autre ville. Echad Nochri, Vehad Israël, qu'il s'agisse d'un juif, d'un goy. Un goy, Vehad Israël, ou qu'il s'agisse d'un juif. Arei Ze Oser. Ça, il interdira la maison. Soit, comme il nous dit le Barthénora, des dira belo baalim, shma dira. Une maison, même lorsque le propriétaire n'est pas là concrètement, il y a ici une maison à considérer. Il y a un potentiel de maison exploitable qui est constamment exploité, ce n'est pas une maison abandonnée. Même si concrètement, imaginez quelqu'un qui est, on va prendre un exemple un peu plus grossier, quelqu'un qui est malade, qui est complètement alité, qui ne peut pas sortir dans la cour. Malgré tout, il est là, il est interdit, il a une maison ici qui est un domaine privé. Il s'avère que maintenant, la cour commune, elle est la propriété de nous tous. Eh bien, selon ce même ordre d'idées, selon le premier avis qui est Rabbi Meir, livre Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, le fait qu'il ne soit pas là pendant Shabbat, même s'il ne prévoit pas de rentrer, il y a ici une maison potentielle et qui nécessite de s'associer avec nous pour faire le hérouf, et sinon il nous bloque tous. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yoda Omer, et non, c'est Rabbi Yoda nous dit non, il n'interdit pas. Pourquoi? Comme il dit le Barthénora, Lav Shmadira. Si ce n'est pas une maison qui est exploitée pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas une maison. Il n'y a pas de maison, donc on n'était plus 5 habitants, on n'était que 4 habitants pour ce Shabbat. Maintenant, on a Rabbi aussi Omer. Nochri Oser, Israël et non Oser, She'en Derech Israël, Lavo Beshabbat. Rabbi aussi nous dit non, écoute, on va faire une différence. Le Goy, il interdit, puisque le Goy, même lorsqu'il est parti à l'extérieur, il peut théoriquement revenir à chaque instant, même s'il est en partie en course à l'arrêt. Même s'il est à 8 heures de vol d'ici, peut-être qu'il va débarquer finalement pendant Shabbat. Ça signifie que concrètement, même lorsqu'il est très loin, il est encore là. Il a la possibilité de rentrer chez lui. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc du coup, il est là et il nous interdit. Ça, c'est le goy. Tandis que le juif, s'il n'est pas parti passer Shabbat à l'extérieur, il n'a plus le droit de rentrer pendant Shabbat. Il a le troum Shabbat qui est le limite. Il doit rester dans son domaine. Du coup, il ne va plus interdire puisqu'il est loin et qu'il ne peut pas rentrer. On parle qu'il est nécessairement aussi dans une autre ville. D'accord? Et sur ça, on a le dernier avis qui vient de Rabbi Shimon, qui va nous dire, Rabbi Shimon, non mais Rabbi Shimon nous dit, attention, même un juif, il parle pas du goy, il parle du juif spécialement, « Afilu iniach beito ve'alach lishbot etzel beito, etzel bito beotahir,
Je vous ai dit que c'est spécialement avec un juif, je suis pas sûr. J'ai un doute. D'accord, je ne m'en cache pas, je traduis tel quel. Il parle au moins du juif. Rabbi Shimon Omer, Afilu Inyach Beito, Valach Lishbot et Sel Bito Beotahir et No Oser, Shekvar Issia Milibo. Je traduis. Même s'il a laissé sa maison, il est parti passer le Shabbat chez sa fille dans la même ville, et No Oser, il n'interdit plus, Shekvar Issia Milibo, parce qu'il s'est déjà retiré d'elle dans son cœur. Soit le Bartonnant il nous explique, je pense qu'on parle que du juif. J'avais une preuve, j'ai oublié, quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. Il y a, en tout cas, soit, il nous dit comme ça, jusqu'à maintenant on a parlé d'une personne qui va passer le Shabbat à l'extérieur de la ville. Quelqu'un qui va passer le Shabbat à l'extérieur de la ville, il n'est pas censé rentrer, même lorsqu'un goy, il part à l'extérieur de la ville, on parle qu'il est parti comme à l'époque, lorsqu'on quittait une ville, c'était pas évident de rentrer comme ça du jour au lendemain. S'il a, il avait un programme de partir pour quelques jours, il n'est pas censé rentrer au milieu. C'était ça qu'on parlait dans la Mishnah, tout au long de la Mishnah, on parlait qu'il est parti à l'extérieur, donc il s'est retiré de la ville, il n'est plus là. Par contre, selon tous les avis précédents, s'il est encore présent dans la vie, alors dans la ville, alors même si concrètement il a besoin de marcher pendant un quart d'heure à pied, ou il ça s'appelle qu'il est là, il est dans la ville, même si concrètement il n'exploite pas sa maison. D'accord? Il est là, donc il est là, il faut avoir son approbation et son accord et sa participation même pour pouvoir permettre de porter dans la cour. Ça c'était pour tous les autres avis. Rabbi Shimon nous enseigne quelque chose de particulier, il nous dit, tu sais, lorsqu'il va passer le Shabbat chez sa fille, même si la fille elle habite dans sa ville, s'il est parti, il n'a pas l'intention de rentrer, il n'est plus là pour tout Shabbat. Il ne va pas remettre les pieds, on n'a plus besoin de se concerter avec lui pour le Hérouv. C'est une notion assez simple. La Mishnah nous précise, attention, on a parlé qu'il est parti passer Shabbat chez sa fille, et pas chez son fils. Et alors là, ça devient un petit peu rigolo dans la Gemara. La Gemara nous dit, concrètement, si tu te disputes avec ton gendre, reste chez lui, c'est pas grave, ça passera, bon, ça va se calmer. Par contre, si tu te disputes avec ta belle-fille, alors là, il vaut mieux que tu dégarpisses le plus vite possible. La Gemara nous dit, elle compare ça à une expression un petit peu violente, qui nous dit, lorsqu'un chien, il aboie, reste, n'inquiète pas, il va pas te mordre. Et si c'est une chienne qui aboie, alors vite, 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 prends la malle et sauve-toi parce qu'elle va t'agresser. C'est le même principe. La Mishnah, la Gemara nous dit, lorsque tu vas passer le Shabbat chez ton fils, alors chez ta fille, alors même si toutefois tu peux t'accrocher avec ton gendre, t'as pas de raison de rentrer à la maison, de tirer la tête, c'est pas grave, reste là-bas, puis après l'ouragan il va passer, et vous allez finalement, tant bien que mal, vous réconcilier. Par contre, si c'est la fille qui commence, la belle-fille qui commence à t'agresser et à te rentrer dedans, va, fais-toi discret, rentre vite et rentre chez toi. D'accord? Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol, Touv, Salam.